Ah. J'ai oublié les cales pour la chaise, dis donc. Va falloir que je les mette. Ceci dit, oui, je sais que je t'ai promis une vidéo expliquant mon plan pour les mois qui viennent, ce que je suis en train de faire, etc., etc. Pourquoi je remonte vers le nord. Mais si ça ne te fait rien, je vais boire mon café d'abord, parce que là, moi, le matin, si j'ai pas eu mon café... Alors, le temps de l'intro, je mange un morceau, je bois mon café, je mets les cales sous la chaise pour éviter qu'elles s'enfoncent. Et après, on va faire un tour, je t'explique tout ça. Allez, à tout de suite. Bon, on va aller faire un tour dans le camping et aux alentours pour parler un peu de tout ça. C'est assez joli ici. Par contre, dans l'immédiat, j'ai plus ou moins le soleil derrière moi. Je risque d'être un poil à contre-jour, mais t'inquiète pas, ça va pas durer. Alors, on va aller directement en bord de rivière. C'est à quelques mètres, tu vois, il y a un petit portail. Depuis ce camping, on accède directement à la rivière, dans laquelle, malheureusement, on m'a dit qu'on ne peut pas se baigner, en théorie. Et officiellement, il est censé y avoir un panneau baignade interdite quelque part. Je l'ai pas trouvé. Il y en a encore un qui s'est garé au milieu du chemin. Ouais, mais elle est pas là, je sais pas où elle est. Je voulais en profiter pour te présenter la gérante Angélique, je l'ai vu passer, c'est elle qui est garée là. Mais je sais pas où elle est cachée, du coup je te la présenterai pas tout de suite. Elle a laissé son véhicule là, puis elle est partie. Bon, bah, peut-être plus tard. Allez, on va sortir. Tu vois le portail? Il est là, je pense que tu dois très certainement pouvoir le voir. Petite carte qui va bien. Ah, ici, c'est grillagé tout le tour. Hein. Donc, moi, avec la moto qui d'habitude passe sur le côté des barrières, bah, même moi, j'ai besoin de ça. Ça, c'est pas la porte principale, bien entendu. C'est là, on est derrière le camping, en fait. Et nous voilà en bord de rivière. Donc ça, c'est la Creuse. Ils ont envie d'aller s'y baigner quand même, mais le panneau baignade interdite, moi je l'ai pas vu. Hein. Donc j'aviserai, je m'y suis pas encore mis, mais il faut dire que la météo ces derniers temps, c'est pour ça qu'il n'y a pas eu de vidéo récemment. Ça a été orage sur orage. J'ai pas trop eu l'occasion de faire quoi que ce soit en fait. Allez, on va attaquer dans le gras du sujet. Alors ce coup-ci. Voilà, là je dois plus être. Je suis à l'ombre, mais je suis plus à contre-jour normalement parce que le soleil il est là-bas, il est derrière toi. Donc, tu as dû remarquer que je suis en train de remonter vers le nord. Je suis d'abord en partant d'Issure-Tête, c'est-à-dire près de Perpignan. Je suis passé dans l'Hérault, puis en Corrèze, et à présent je suis à Descartes en Indre-et-Loire. Je vais pas du tout vers l'Espagne, alors que j'étais à côté. Et j'ai eu plusieurs échos différents, de différentes personnes, je veux dire. Qui sont un peu étonnés de mon cap actuel. Alors qu'en fait, c'est tout à fait normal. L'Espagne, pour moi, ça a toujours été prévu pour l'hiver. Et je dis l'hiver en général, pas spécialement l'hiver 2020-2021, où j'ai pas pu y aller. Mon but, c'est de passer l'hiver au sud, là où il fait chaud ou pas trop froid, dirons-nous, et l'été au nord. Il n'est pas question pour moi d'aller en Espagne ou au Portugal au milieu de l'été. Surtout que pour le moment, j'ai encore ma veste moto hiver mi-saison. Qui déjà, quand il fait 25 degrés, est difficile à supporter. Alors imagine s'il faisait 35. Ouh, il y a un moteur par là. J'espère qu'on va pas être trop gêné. Oh oh! Alors là, l'endroit que je voulais te montrer est sympathique. C'est un joli petit jardin... bâti sur les restes d'une forteresse médiévale, mais je crois qu'on va pas y rester parce qu'il y a une tondeuse. On va prendre par là le jardin, on essaiera d'y revenir peut-être tout à l'heure. Donc ouais, le sud de l'Espagne et le Portugal, pour moi ça a toujours été pour l'hiver, pas pour l'été. Donc là en fait je suis en train de reprendre le cours de mon voyage tel que prévu à l'origine. Faut bien que tu comprennes que j'ai perdu énormément de temps. Entre principalement les trois différents confinements et puis mon accident de moto en janvier, mon planning d'origine consistait à faire
mon voyage de test en mars 2020 pour partir de façon définitive à l'été 2020. Sauf qu'en mars de cette année-là, je t'explique pas ce qui nous est tombé sur le coin de la figure. Tu le sais aussi bien que moi. J'ai pas pu faire mon test. J'ai fait mon test pendant l'été 2020 et je suis parti début novembre. Mais début novembre, tu sais aussi ce qui nous est tombé sur le coin de la figure. Donc je suis allé me confiner chez un copain sur la côte normande et je ne suis réellement parti que le 8 janvier. Le 24 janvier, j'ai eu mon accident. Donc un petit peu fait que j'ai pris un retard monstre. Et j'aurais dû être à Issure-Tête fin novembre. Et en Espagne, début décembre au plus tard. Et ça, c'est raté. Et regarde un truc que je voulais te montrer, je suis désolé pour le bruit. Voilà un oiseau qui ne s'enfuit pas quand on essaie de le photographier. Ah, il y a une deuxième sculpture comme ça à l'entrée du camping, on va essayer d'y passer. Tiens donc, regarde qui voilà. Alors, celle qui a laissé son véhicule au milieu du chemin, je l'ai retrouvée, la conductrice du véhicule abandonné, elle est là. Hello. Alors, je te présente Angélique. Enchantée. Qui est la gérante du camping. Alors si tu viens ici à Descartes, si tu viens au camping, t'auras pas le choix, tu vas tomber sur elle. Mais je te rassure, elle est plutôt cool et elle a le sens de l'humour, donc t'as pas à t'inquiéter, ça va bien se passer. Impeccable, hein, ça va le faire. Voilà. Y a pas de raison. Donc, et la propriétaire du véhicule abandonné là-bas, je t'ai vu débarquer, le véhicule électrique là, c'était toi qui le conduisais. Donc, il y a un véhicule abandonné sur la chaussée, oui, c'est toi. C'est le mien. Voilà. J'avoue, voilà, monsieur l'agent. Voilà. Bon, on l'a retrouvé. Je me demandais où elle était passée, on l'a retrouvé. Bon, bonne journée. Bonne balade. Merci. Bon, ben voilà, je sais plus où j'en étais du coup, elle m'a fait perdre le fil de mes pensées. Oui, donc j'ai pris un retard monstre. Donc voilà, en gros, où est l'entrée du... C'est par là. Ou par là, tiens, ça revient au même. Oui, j'ai pris un retard monstre. Par contre, ça veut pas dire pour autant que j'abandonne l'idée d'aller en Espagne ou au Portugal. Simplement, ça va pas être pendant l'été. Je vais y aller, alors... Peut-être l'hiver prochain, ça dépendra de la situation. Bonjour. Oui, peut-être l'hiver prochain. Et ce que je vais faire, j'ai un tas de choses à aborder entre deux, mais grosso modo, mon plan pour l'hiver prochain, ça sera d'aller me poser à Issure-Tête, qui est proche de la frontière, et à partir de là, je pourrai aviser tranquillement. Maintenant, pour l'été, ce que je suis en train de faire. Dans l'immédiat, il faut que je fasse ma passerelle. Pour ceux qui ne sont pas motards, j'ai le permis A2, c'est-à-dire le permis débutant, qui me limite à 47 chevaux et demi maximum. Ma moto actuelle fait 46 chevaux, je pourrais difficilement avoir plus. Et j'ai un souci, c'est que elle est trop petite pour ce que je fais, pour ce que je lui demande. Quand je voyage entre deux campings, soyons clairs, elle est chargée comme une mule. C'est très limite, on lui en mettrait pas plus. Et le truc, c'est que j'ai besoin de plus de matériel, il me manque des choses. Il y a un certain nombre de choses qui vont pas. Donc j'ai des améliorations à faire. Et ça sous-entend de pouvoir porter plus de matériel. Avec ma moto actuelle, c'est pas possible. Alors en dehors du fait que je n'ai absolument pas le budget pour changer de moto dans l'immédiat, en fait ça rentre pas du tout en ligne de compte. Parce que de toute façon, je n'ai pas le permis pour une autre moto. Je vois pas l'intérêt de racheter une moto à deux. C'est-à-dire une moto qui ne dépasse pas les 47 chevaux et demi. Et... par là, je vais rentrer en ville. Ouais, non, on va retourner vers l'entrée du camping. Donc, racheter une moto à deux, ça n'aurait pas de sens. Et pour acheter une moto qui soit pas limitée à deux, c'est-à-dire qui fasse plus que les 47 chevaux et demi, quelque chose de plus gros, et j'ai pas le permis qui va avec. Maintenant, il faut que... comment ? Oui, j'ai pas fini d'expliquer l'histoire du A2. Quand tu passes le permis A, c'est-à-dire quand tu passes le permis moto, de nos jours, tu passes d'abord le A2, tu restes en A2 obligatoirement pendant 2 ans, et à la fin des 2 ans, si tu veux, tu peux transformer l'essai. Tout le monde ne le fait pas, il y a des gens qui restent en A2 toute leur vie parce que ça leur convient. Si tu veux obtenir le permis A sans restriction, tu retournes en auto-école. C'est une formation de 7 heures qui n'est pas sanctionnée par un examen, faut juste le faire, il faut quasiment faire acte de présence, j'exagère un peu,
T'as un moniteur derrière toi qui te surveille, qui vérifie que t'as les compétences pour conduire une moto plus puissante. Mais il n'y a pas d'examen derrière, donc il faut juste le faire. C'est ce qu'on appelle donc la passerelle. Et moi j'arrive au bout de mes 2 ans, mon permis A2 date du 30 juillet 2019. On peut faire la passerelle dans les 3 mois qui précèdent la date anniversaire du permis. Donc là je suis mûr, si je voulais le faire demain, je pourrais. Le truc c'est que je veux faire ma passerelle avec le même moniteur avec qui j'ai passé mon permis moto, parce que ça s'était passé vraiment comme ça avec lui, j'ai eu un super bon contact, j'ai vraiment apprécié. Donc je veux faire ma passerelle avec lui. Et puis il y a aussi le fait que la passerelle, en théorie il y a un cadre, c'est 4 heures de plateau, c'est-à-dire les exercices avec les cônes, et 3 heures de circulation. Mais c'est laissé à la discrétion des auto-écoles. C'est-à-dire c'est un cadre conseillé, c'est pas une obligation. Et moi j'ai pas envie de me taper du plateau. Il se trouve que lorsque j'ai fait mon entraînement à la circulation pour le permis A2, je l'ai fait avec un autre élève qui lui faisait sa passerelle. Et je sais que mon moniteur lui a fait faire 7 heures de circulation sans plateau. Et moi honnêtement ça m'intéresse. Donc je retourne en Normandie pour faire ma passerelle avec lui. Voilà la raison de mon orientation de mon cap actuel. Alors ici on a un petit parc animalier, j'ai pas vraiment pu faire de photos à cause de la grille, tu vois, l'objectif de mon appareil photo passe pas à travers les mailles. On a des cochons de, je sais plus si c'est marqué, vietnamiens, des cochons asiatiques. Il y a un certain nombre d'autres choses, il y a des chèvres naines là-bas, il doit y avoir 2 mulets, je crois, un truc comme ça. Il y a Oncle World. Donc voilà, tu as vu la grille, faire des photos et même une vidéo, c'est pas top. Alors, donc le mois prochain, je serai en Normandie. Pourquoi est-ce que j'y vais pas plus tôt? J'ai déjà passé une semaine ici à Descartes, je pourrais repartir et continuer mon chemin, oui je pourrais. Mais financièrement c'est pas possible. D'abord j'ai pas de toute manière de quoi payer ma passerelle, il y en a pour un peu plus de 200 €. J'ai vu les tarifs sur une autre auto-école, mais ça doit être similaire, 213 je crois. Plus il faut des timbres, des photos, des choses comme ça. Dans les médias je les ai pas, je les aurai pas avant le début du mois, donc ça me sert à rien de repartir d'ici, et de toute façon je risquerai de ne pas arriver à destination, parce que pour aller jusque là-bas, jusqu'à Argentan en basse Normandie, il y a un peu plus de 300 km, donc pour moi c'est deux pleins. La moto doit avoir dans les 230-240 km d'autonomie. Sans les bagages, je fais le plein à 190. Avec les bagages, je fais le plein vers 160 km à peu près. Il n'y a pas de jauge. Donc je me fie au kilométrage, c'est assez approximatif. Et pour ne pas prendre de risque, je prends de la marge. Donc il faudra que je puisse prendre de l'essence 2 fois. Et le souci, c'est que les pompes automatiques te font une demande d'autorisation entre 100 et 150 € suivant les pompes. Et ça, une fois que j'aurai payé le camping ici, mais on va dire je reste 2 semaines et je repars. Même qu'une semaine, là ça fait une semaine que je suis là, mais tant que je paye et que je parte demain, il n'y a plus assez pour avoir 150 € pour la pompe. Même si j'ai besoin que de 10 € d'essence, la pompe va me faire une demande d'autorisation entre 100 et 150. Et je risquerai de ne pas pouvoir prendre d'essence et de tourner des heures pour trouver une pompe avec une caisse d'ouverte. Donc j'arriverai pas à destination en fait. Je ne peux pas prendre le risque. Je partirai donc en début de... Ça devient fatigant pour le bras gauche, en début de mois prochain. Mais là, vu la position du soleil, je vais devoir marcher à reculons. Ça, c'est pas génial, ça. Ouais, donc, pour cette raison-là, je ne partirai qu'en début de mois prochain. Et de toute façon, dans les médias, je ne peux pas payer ma passerelle. Donc, ça ne me servirait pas à grand-chose d'être en Normandie demain ou après-demain. C'est pas la peine. Donc voilà, dans l'immédiat, donc pour juillet, c'est faire ma passerelle. Ah, et puis, j'aurai la... La vidange, moteur de Rossinante TFR. J'arrive dessus, là il me reste moins de 400 km avant d'avoir fait les 6000 entre deux vidanges. J'en ai fait une fin octobre avant de larguer l'appartement
Et puis là, les 6000 km, bah, je les ai presque fait à quelques centaines près. Il me reste moins de 400 bornes avant de devoir faire la vidange. Donc ça aussi, il faut que je le prévoie. Ce qui fait que je limite mes déplacements pour attendre un petit peu pour la faire, en fait. Tiens, on arrive vers l'entrée du camping. Faire une petite pause de secondes, je vais te montrer l'autre sculpture. Donc voilà, il y a l'oiseau, puis il y a ce gars-là. C'est très sympa en fait. Pour le moment, j'en ai repéré deux. Il y en a peut-être plus, je sais pas. J'ai repéré ces deux-là. Alors, après, le mois prochain, je vais en Normandie, je fais ma passage, je fais ma vidange, et après, qu'est-ce qui se passe? Après, il se passe deux choses, a priori. D'abord, je vais aller passer une semaine ou deux chez ma sœur. J'avais envisagé même d'y passer quasiment tout l'été, histoire de faire une économie. Mais finalement, je pense que je vais m'y prendre autrement. Je t'explique pourquoi. Je vais passer chez elle juste pour la voir, finalement. Je pense. Ça serait ça fin juillet, début août, probablement, dans ces eaux-là. Et ensuite, j'ai été invité par un de mes abonnés en Suisse. Bonjour Nico. Jusqu'ici, j'hésitais un petit peu à y aller parce que il y a deux mois de ça, quand il m'a invité, j'ai regardé les conditions pour rentrer en Suisse. Il fallait un test PCR obligatoire pour passer la frontière, ce que je n'avais aucune envie de faire. J'hésitais à y aller quand même ou pas, mais déjà, j'ai horreur qu'on me touche. Alors, me mettre ce truc dans le nez, j'ai pas envie. Donc, ça me faisait hésiter, forcément. Donc, j'ouvre la grille. Mais j'ai regardé hier, les conditions ont changé. À présent, il n'y a plus de test PCR obligatoire pour rentrer en Suisse, sauf si tu proviens de certaines régions. J'ai pas la liste en tête, il y a notamment l'Île-de-France et 3-4 autres régions. Il suffit que j'évite de séjourner dans ces régions-là dans les 10 jours qui précèdent, et je peux y aller sans faire de test PCR. Donc je pense que c'est ce que je vais faire. Alors les dates, j'hésite encore un peu. Il faudra que j'en parle avec Nico d'ailleurs pour voir à quel moment il est disponible. Mais comme la Suisse est plus ou moins à mi-chemin de mon chemin du retour vers le sud, puisque je vais retourner à Issur-Tête pour au moins le début de l'hiver, le truc logique, ça serait d'y aller en faisant mon chemin vers le sud. Donc ça serait plutôt en septembre. Parce que la difficulté, c'est que j'ai envoyé mon équipement d'hiver à ma sœur, qui est dans le nord du Loiret, dans le 45. Il y a mon gros pantalon en cuir, qui est insupportable passer 15 degrés Celsius. C'est un vrai sauna. Il y a mes gants d'hiver, il y a le câble électrique pour brancher les gants, parce que c'est des gants chauffants. Donc quand je repartirai vers le sud, tout ça, il faut que je le prenne. Mais je vais pas le prendre au milieu de l'été. Ça fait du matériel que je pourrais pas transporter. Je te l'ai dit tout à l'heure, la moto, elle en prendra pas plus. Donc je peux pas le transporter dans mes bagages, il faut que je le porte, ce matériel-là. Que je le porte sur moi, que je mette le pantalon, tout ça. En août, c'est même pas la peine d'y penser, hein. On oublie tout de suite. Il faut que je passe en Suisse, à mon avis, à un moment où le matériel en question deviendra supportable, c'est-à-dire genre mi-septembre, en commençant mon chemin vers le sud. J'ai un oncle en Bourgogne, dans le Morvan, que j'ai pas vu depuis au moins 2-3 ans. Je pense m'arrêter chez lui pour le voir. De chez lui, je vais en Suisse, et de Suisse, je continue après mon chemin vers le sud. Je pense que c'est a priori la bonne idée à faire. Voilà en grosso modo mon plan pour l'été. Après, pour ce qui est de pénétrer en Espagne cet hiver, il y a une question qui reste. Alors c'est quelque chose, je m'excuse mais j'ai les bras qui fatiguent, c'est quelque chose dont j'ai pas forcément l'habitude de parler sur ma chaîne, enfin dont j'ai pas l'habitude de parler sur ma chaîne, je confirme. On va peut-être pouvoir retourner. Je crois qu'il y a la tondeuse qui s'arrête. On va peut-être pouvoir retourner vers le jardin pour te le montrer un petit peu là. Tu vois, j'ai fait tout le tour et je suis de retour au niveau de ma tente. Oui, donc un sujet dont je n'ai pas l'habitude de parler sur ma chaîne. On va parler Covid.
En Espagne, ils ont été les premiers à mettre en place le pass sanitaire, qui est quelque chose que je rejette catégoriquement. Alors je crois, ça sera vérifié, mais il me semble qu'il est nécessaire pour pénétrer en Espagne, y compris par la route. Encore une fois, ça sera vérifié. Et puis de toute façon, cette situation-là ne m'affecte pas dans l'immédiat, elle m'affectera l'hiver prochain. Il faudra voir où on en sera. En 4-5 mois, les choses peuvent évoluer énormément. Mais bon, supposons qu'il faille le pass sanitaire pour entrer en Espagne. Alors là, j'ai un souci. D'abord, donc pour que ce pass soit valable, il faut soit être vacciné, soit avoir un test PCR de moins de 72 heures. Vacciné, c'est non, 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 non et non. Je vais pas rentrer dans les détails, mais je n'ai strictement aucune confiance dans leur vaccin, et je mets des guillemets à vaccin expérimental, qui n'a pas fini ses phases de test, qui n'ont pas fini, parce qu'il n'y en a pas qu'un seul. Je n'ai strictement aucune confiance. De toute façon, je ne fais pas partie des populations à risque. Donc me vacciner moi n'aurait aucun intérêt. Me vacciner pour protéger les autres, ça c'est un argument bidon, puisque ces vaccins n'empêchent pas la transmission. Du moins pour autant que je sache. Ou au minimum on ignore s'ils l'empêchent. Donc pour moi ça n'aurait aucun intérêt. La balance bénéfice-risque pèse très clairement du côté du risque. Donc je ne vais pas me faire vacciner. Il ne me resterait que le test PCR pour que le pass sanitaire soit valable. Le test PCR, il est valable 72 heures. Je vais me faire tester deux fois par semaine? Certainement pas. C'est hors de question. Le pass sanitaire est inutilisable pour moi, et d'une. Et ensuite, sur le principe, pour moi, il est plus politique que sanitaire. Là encore, je n'ai strictement aucune confiance dans la manière dont les données vont être exploitées ou stockées, sécurisées. Le pass, je passe. Ça pourrait être un slogan, ça. Le pass, je passe. Ça fait du bien quand il n'y a plus le moteur de la tondeuse, dis donc. On va pouvoir faire un petit tour par ici. Donc, le pass sanitaire, pour moi, c'est non, non et non pour un certain nombre de raisons. S'il est nécessaire pour rentrer en Espagne, je vais devoir attendre. Alors, l'hiver prochain, encore une fois, je serai ici sur tête. Je vais y faire livrer une tente pour l'hiver, parce que la tente que j'ai actuellement, elle est en synthétique. Et l'espace de vie à l'intérieur est tout petit. Elle est faite pour des gens qui vivent dehors. En dehors de la tente, je veux dire. Pour l'été, ça va très bien. Pour l'hiver, elle sera pas du tout adaptée. L'espace qu'on peut chauffer est tout petit. C'est la chambre, c'est la moitié de la tente. Donc c'est vraiment pas top. Donc je pense que je vais faire livrer à Is-sur-Tête au camping. J'en ai déjà parlé à la gérante qui est d'accord. Bonjour Sarah, si tu regardes ceci. Je vais faire livrer une tente familiale, une tente pour 4-5 personnes avec un petit espace salon. En polycoton, pas en synthétique. Ce qui permet d'avoir un petit peu plus de... Comment ? Je vais passer par là-haut. Un petit peu plus de d'isolation. J'ai mon petit chauffage électrique pulsé, tu sais, avec un ventilateur de 500 watts. Il n'est pas bien puissant, mais pour un petit espace, il suffit. Donc normalement, ça devrait le faire. Cette tente, dans un premier temps, je ne pourrais pas la transporter. Et encore une fois, je ne peux pas mettre plus de choses sur cette moto. Et de toute façon, ce genre de tente, une petite tente familiale pour 5-6 personnes. Genre... en polycoton, ça pèse dans les 20-22 kg. Donc, c'est pas le genre de tente que tu trimbales sur le siège arrière d'une moto. C'est juste pas possible. Il me faudra une... je reviens ici pour t'expliquer un peu l'histoire du lieu quand même. Tu vois que c'est assez joli ce jardin. Il me faudra une remorque. Et pour avoir une remorque, il me faut une autre moto. Et donc ça, pour le moment, c'est pas encore gagné. J'ai peut-être un truc qui va tomber dans les temps qui viennent, un gros truc, mais financier. Mais je peux pas te donner les détails parce que je ne suis sûr moi-même de rien. C'est peut-être ben un coup, peut-être ben un que non, à la Normande, si j'ose dire. Changer de moto, pour le moment, j'en sais rien, on verra. Donc je fais livrer la tente à I, ce qui veut dire que dans les premiers mois, j'aurai pas besoin de la transporter. Et après j'aviserai.
écoute, je pense que j'ai fait à peu près tout le tour. Si jamais j'ai oublié des choses, il y a un article sur mon blog où je détaille tout. Alors, je te mets le lien dans la description de la vidéo. Tu peux le lire si tu veux, tu peux m'y laisser un commentaire directement sur le blog lui-même, en plus d'un commentaire sur la vidéo, j'apprécie beaucoup. Je suis en train de réfléchir si j'ai pas oublié des choses. Tiens, il y a une jolie vue ici. Il y a le pont à l'entrée de Descartes. Maintenant qu'on a de la lumière, qu'il y a du soleil, la vue est agréable. Ouais, donc je pense avoir fait le tour, avoir à peu près tout couvert. Je suis en train de réfléchir à voir si j'ai pas oublié quelque chose. Je me connais. Je suis capable d'avoir oublié quelque chose. Mais là, tout de suite, je vois pas. Donc je remonte vers le nord pour, dans un premier temps, faire ma passerelle et la vidange de la moto foie que je vois avec un de mes copains en Normandie, de Spi. Patrick, si vous regardez ça. La vidange, je sais la faire, j'ai déjà fait plusieurs fois sur cette machine. Et il va me falloir un endroit où la faire et quelqu'un qui soit en mesure d'emmener la vieille huile en déchetterie. Ce qui n'est pas mon cas. Voilà, donc il me faut un bac, un bidon et puis un endroit où faire la vidange. Donc il faudra que je contacte mes copains en Normandie pour voir si je peux la faire chez l'un d'entre eux. Je pense que c'est tout. Alors, je t'aurais bien fait faire le tour du jardin avec l'histoire du lieu, c'est ce que j'avais prévu de faire. Mais là, pour le moment, il y a les mecs qui sont en train de faire l'entretien. Je vais peut-être attendre un peu et reprendre la vidéo dans un moment. En tout cas, pour ce qui est de la petite mise à jour de mes projets, de ce que je suis en train de faire, bah écoute, là, on a fait le tour. Allez, je reviens dans un petit moment, je vais aller vite fait aux nouvelles. Et je reviens dans un moment pour te raconter un peu l'histoire de ce lieu. Il y a des panneaux informatifs, c'est... Bah si tu aimes l'histoire quoi, c'est sympa ici. Allez, à tout à l'heure. Le jardin du Nouveau Monde. Autrefois appelé la Douvre, ce jardin est à l'emplacement même de l'ancienne place forte aujourd'hui disparue. Il fut dessiné par un paysagiste nommé Monsieur Beauvais et ce sont les jardiniers de la ville qui l'ont réalisé en 1948. Le 21 octobre 1951, il est inauguré et baptisé Jardin René Boislève en l'honneur de l'écrivain académicien natif de la ville. À partir de cette date, il est ouvert au public. On y découvre les bustes en marbre blanc d'enfants du pays, René Boislève et René de Buxeuil, chansonnier et compositeur aveugle. Un petit temple à l'amour fut construit à l'occasion d'une représentation théâtrale du Devin du village, une pièce de Jean-Jacques Rousseau, qui fut jouée une seule fois en ce lieu. Il se situe au-dessus des vestiges du donjon. Les essences d'arbres présentes sont peu communes, voire exotiques, comme le ginkgo biloba, et le séquoia, dont la plantation remonte au 19e siècle. Ces différentes espèces étaient très en vogue au 18e et 19e siècle. Elles étaient importées d'Asie, d'Amérique ou encore d'Europe du Sud. Foulque III Néra fit bâtir entre le 9e et le 10e siècle un fortin de bois sur la Grosse Motte, butte de terre où se dresse un séquoia géant dans le jardin actuel. Puis, ses descendants firent construire une forteresse en pierre sûrement flanquée d'un donjon quadrangulaire et entourée par une enceinte murée, des douves et des fossés. Des haies épineuses furent plantées pour former une protection supplémentaire contre les assaillants. Elles sont à l'origine du premier nom de la ville, Aya. Il ne reste aujourd'hui que quelques vestiges de cet ensemble défensif médiéval. L'église Notre-Dame, qui était une chapelle seigneuriale, construite dans la deuxième enceinte du château. Une maison plutôt imposante, appelée le Vieux Logis, où les seigneurs auraient résidé à partir du XVIe siècle. Et le gîte d'étape, qui semble avoir servi de tour de garde. L'emplacement des anciennes douves est encore visible au niveau de la roseraie, où l'on peut remarquer une tourelle récemment restaurée, ainsi que quelques pans de murs. Il existe de nombreux souterrains sous la surface de la ville qui ont servi à extraire les pierres de tuffeau destinées à la construction du château. Ils pouvaient servir pour certains à entreposer des vivres et des munitions, mais il était aussi possible de s'y réfugier ou encore de s'évader en cas de conflit car certains conduisaient à la sortie de la ville. Ils ne sont plus accessibles à l'heure actuelle.
La cité fut fortifiée au cours du XIVe siècle. Elle était protégée par des fossés, des douves, des tours et des murailles crénelées. Il était possible d'y accéder par quatre portes munies de herses qui se situaient de chaque côté de cette enceinte fortifiée. Le blason de la ville rappelle ces anciennes fortifications car il représente trois tours d'argent. En héraldique, un emblème est généralement répété trois fois pour une question de symétrie. Il est interdit de marcher sur les pelouses, on t'a dit. T'as pas vu le panneau ? Durant son enfance, René Tardivaux, dit Boislève, suivait des cours de latin avec le curé Legrand au presbytère, aujourd'hui disparu, qui se situait juste à côté de l'église Notre-Dame de La Haye. Il arrivait que les leçons soient données dans le jardin de ce presbytère. Oh, le joli jardin que celui de monsieur le curé de Beaumont. Il était bien mal entretenu, rongé de chenilles, labouré par les taupes, saccagé par tous les chats du voisinage. Monsieur le curé ne voulait à aucun prix que l'on inquiétât les bêtes de la création. Mais ce jardin s'avançait jusque sur la rivière qu'il dominait à pic par une terrasse de contes de fées. Extrait de l'œuvre « L'enfant à la balustrade ». Au cours de la réalisation du jardin devenu communal, on installa ce magnifique buste en marbre blanc de René Boislève exécuté par le tourangeau Camille Garand. Gaston Chargé, maire de l'époque, décida de l'inaugurer le dimanche 21 octobre 1951 en présence d'un certain nombre de personnalités dont le préfet, l'académicien Jacques de Lacretelle et des membres de la famille. Marie-Rose Pruvaux-Mort, la nièce de l'écrivain accompagnée de son fils et l'abbé Roger Tardivaux, le neveu de l'écrivain. Depuis ce jour, le jardin porte le nom de René Boislève. René de Buxeuil, de son vrai nom Jean-Baptiste Chevrier, naquit le 4 juin 1881 dans le faubourg Saint-Jacques à Buxeuil. À 11 ans, il fut victime d'un accident stupide qui le rendit aveugle. Il allait chez un cousin, mais en cours de chemin, il rencontra un camarade qui s'amusait avec une carabine à plomb et qui lui tira au visage malencontreusement. En 1893, il entra à l'Institution nationale des jeunes aveugles à Paris. Élève modèle, il avait un don pour la littérature et la musique. Il remporta un grand prix de littérature et les premiers prix de conservatoire de clarinette et piano. Il obtiendra en 1901 un diplôme d'instituteur pour aveugles. Il rencontra des chansonniers parisiens tels que Xavier Privat, Eugène Lemercier et Paul Delmet qui lui donnèrent envie d'écrire. Il débuta une carrière de chansonnier satirique, puis de compositeur fortement apprécié dans les cafés-concerts et cabarets Montmartre III.
La popularité s'annonçant, il décida de se faire appeler René de Buxeuil, pour devenir le troisième René, après Descartes et Boislève, à être reconnu au pays. Pendant la guerre 14-18, il organisa un théâtre aux armées et chanta sur le front ainsi que dans les hôpitaux. Auteur de chansons à succès comme « L'âme des roses »,« Ferme tes jolis yeux »,« L'âme des violons » mais aussi « Ma Touraine », il composa à peu près 5000 mélodies. Il mourut à Paris le 29 juillet 1959 et repose au cimetière du Père Lachaise à Paris face à Colette. Ce buste de marbre blanc du sculpteur parisien Barthélemy Daillon fut inauguré le 22 octobre 1967 et dévoilé pour l'occasion par son petit-fils Christian Ardoin. Cette cérémonie se déroula en présence d'Arlette Hardy de Buxeuil, fille du chansonnier, ainsi que d'autres membres de la famille, des amis dont Suzanne Quentin, parolière de René de Buxeuil, et de nombreuses autorités. À souligner que ce buste est orienté face à la rivière La Creuse, mais surtout à Buxeuil, la ville natale du chansonnier.